Comment obtenir un numéro de téléphone et une adresse dans un pays autorisé par Stripe et PayPal? Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous communiquer des sites qui vont vous permettre d'avoir des contacts téléphoniques réels et surtout une adresse pour pouvoir faire activer vos comptes Stripe et PayPal. Ce sont des sites que moi-même j'utilise pour mon activité, pour mes différentes activités et surtout pour surtout pour avoir des processeurs de paiement les plus utilisés que vous connaissez déjà, que sont Stripe et PayPal. Mon nom c'est Guillaume Joya, j'aide des personnes super motivées qui vivent en Afrique et qui veulent développer un business en ligne. Je vous invite de liker cette vidéo, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir régulièrement les contenus que je partage dans cette chaîne. Le problème lorsqu'on veut activer un compte Stripe ou PayPal, c'est d'avoir une adresse autant pour moi et un numéro de téléphone dans un pays autorisé par Stripe, ce qui n'est pas très évident. Si vous vivez en Afrique, votre contact téléphonique ou bien votre adresse ne peut pas servir à avoir Stripe ou PayPal. Donc, il faut aller dans la liste des pays autorisés et chercher à obtenir une adresse et un contact téléphonique dans l'un de ces pays. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, j'ai recensé des sites, comme je le disais, qui vont vous permettre de créer vos numéros de téléphone et votre adresse très aisément. Alors, on va se rendre très rapidement sur mon ordinateur. Le premier, c'est TestNow que je vais vous présenter. Il est en anglais, mais ce n'est pas un souci. Il est extrêmement simple d'utilisation. Vous n'avez pas besoin d'une carte de crédit. La recharge se fait très, très simplement. Si vous utilisez Google Pay pour des Android ou bien si vous utilisez un Mac ou bien Apple pour App Store. Donc, vous allez tout simplement aller sur App Store ou bien sur Android. Vous téléchargez l'application sur vos téléphones et vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous allez donc simplement payer des recharges pour pouvoir activer comme ça se fait de façon classique, même avant vos numéros de téléphone, pour pouvoir donc passer les appels et recevoir des SMS. Donc voici TestNow, je vais vous mettre les liens de ces sites en dessous de la vidéo, en description, pour que vous puissiez très rapidement vous retrouver. Donc voici TestNow, il est très simple, il a assez épuré le site, vous pouvez regarder, visiter et voir ce qu'il vous propose. Si vous avez des difficultés avec la langue anglaise, je vous invite par exemple à vous copier le test. Voilà, on va copier, on va faire ainsi. Vous allez aller sur un site que je vais vous présenter qui s'appelle DeepL. Voilà, DeepL, c'est un peu comme Google Translate, mais je préfère beaucoup plus DeepL parce qu'il est beaucoup plus aisé et la traduction est nettement meilleure que celle de Google. Donc, vous utilisez DeepL, mais je vous invite par ailleurs à vous intéresser vraiment à la langue anglaise, à améliorer votre niveau d'anglais. C'est très important pour le business. Si vous avez des possibilités, n'hésitez pas à aller dans d'autres pays, comme par exemple à Dubaï, faites-y 2 à 3 semaines. J'aime bien le faire et puis ça va vous permettre de garder la langue très aisément. Mais sinon, pensez-y si vous voulez vraiment faire du business en ligne. Alors, DeepL, je vais coller le test que je viens de copier et dans quelques secondes, donc, j'aurai la traduction de l'autre côté, obtenir un second numéro de téléphone de TestNow. Donc, c'est celui que j'utilise beaucoup plus. Alors, si je reviens, donc voici le site TestNow. Vous allez tout simplement vous inscrire gratuitement et le découvrir. L'autre site également, c'est Ushirt, que je vais également vous recommander. Ils fonctionnent tant sur App Store que sur Google Play, avec Google Play également. Il est très très bien, il est assez simple et épuré. Vous avez vu 1,99$, ça fait pratiquement, je crois, presque 1000 francs CFA. C'est rien du tout pour tous les avantages que vous pouvez avoir avec tous les pays dans lesquels ils sont situés, beaucoup plus les pays du côté de l'Amérique, notamment les États-Unis et le Canada. Donc, vous avez la possibilité de regarder leurs options ici. Voilà, ça fonctionne. Vous pouvez payer en Bitcoin ou bien avec carte Visa. Ils sont disponibles dans 35 pays et c'est très, très intéressant également. Après Ushirt, je vais vous proposer également iPlum, qui est très bien, qui vous propose même des numéros carrément business. Et le gros avantage avec iPlum, c'est que vous pouvez avoir des ID calling, le fait de la messagerie, enregistrer vos conversations, avoir un auto-répondeur, un voice répondeur, voilà, une musique d'attente. Bref, il y a énormément plus d'options que d'autres que je vous ai présentées plus haut. Donc, iPlum est très, très intéressant. Maintenant, si vous avez la flemme avec la langue anglaise, je vais vous recommander Standard Facile, qui est français, voilà, qui est aussi très bien, mais seulement qu'ils font ceci avec des numéros fixes et il y a une personne qui reçoit vos appels et vous les transmet. Donc, c'est comme un standard
typiquement, ils ne fonctionnent pas en tant que tel comme un numéro de téléphone à abonnement que vous avez directement sur votre téléphone portable, contrairement aux autres sites que je vous ai présentés. Donc, il est en français. Vous pouvez également le voir ici. Il y a un abonnement mensuel à 14,90 €, presque 10 000 francs CFA. Alors, c'est ça un peu le petit bémol, c'est qu'il faut payer un abonnement mensuel. Donc, Standard Facile vous propose un numéro français fixe, un transfert d'appel sur ils vont également vous donner la possibilité de transférer les appels sur votre téléphone, sur votre smartphone. Voilà, il y a beaucoup d'options, les suivis d'appels standard vocal, ainsi de suite. Alors, je vais vous montrer celui que moi j'utilise et que je trouve très très bien, facile. En plus, il est en français, où je domicilie tous mes numéros de téléphone, même les numéros de téléphone réels. C'est très très important. Je fais du tout en un, ça s'appelle One Off, et qui fonctionne tant sur App Store que Google Play. Voilà, vous avez ici en visu comment ça se présente. C'est très très simple d'utilisation, c'est très intuitif. Vous pouvez donc regarder le site et vous faire votre idée là-dessus s'il vous convient le mieux. Donc voici, je vous ai présenté 5 sites où vous pouvez avoir des numéros de téléphone dans des pays autorisés par Stripe et PayPal et débloquer sans aucune crainte, sans aucun souci votre compte Stripe ou PayPal, bel et bien sous réserve de savoir bien créer aussi votre société qui va aller avec. J'en parle dans d'autres vidéos de cette chaîne. Ok, maintenant, s'agissant des adresses pour pouvoir justifier une adresse sur Stripe ou PayPal, vous avez ce domicilier.fr qui appartient toujours à l'entreprise Standard Facile. Ce sont les mêmes entreprises. Voilà, ce domicilier.fr va vous permettre donc de payer le droit d'utiliser des adresses sur le sol français. C'est ça le principe des sites qui vous vendent à location des adresses. Donc voilà, ils vous proposent aussi beaucoup d'options assez intéressantes, surtout un large choix d'adresses dans 10 villes et 24 adresses en France, dont Lille, Bordeaux, Paris, Île-de-France, Lyon, en fonction des différentes villes dont vous aurez des tarifs qui vont varier, je crois, qui part de 9 € à 30 € si je ne dis pas de bêtises. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils ont des bureaux à location ponctuelle, peut-être 1 heure, 2 heures, des conférences en groupe. Voilà, si je me retrouve peut-être en France, je vais discuter avec un prestataire. Voilà, je peux louer un bureau pour 1 heure, 2 heures et je discute avec lui sans aucun souci. Donc, c'est très intéressant aussi. Vous avez celui qui est américain, Anytime Mailbox, qui est très bien aussi. Il reçoit vos courriers, il vous fait de ce qu'on appelle le virtual mailbox, c'est-à-dire une adresse physique en virtuel. Bon, ici, je ne pense pas qu'ils font la retransmission de vos courriers, c'est-à-dire ils vont recevoir vos courriers, mais sans les retransférer forcément. Par opposition à Virtual Post Mail qui va le faire, c'est-à-dire ils vont vous renvoyer vos courriers en Afrique et ils proposent aussi l'option qu'on appelle le Business Registered Agent Service. C'est très très important si vous créez une société. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails là, vous pouvez le retrouver dans d'autres vidéos de ma chaîne YouTube. Ok, ensuite donc vous avez un autre site également que je vais vous montrer ici qui s'appelle voilà, physicaladdress.com. C'est aussi une entreprise, enfin un site qui vous vend des adresses à abonnement mensuel. Vous voyez, on a presque du 8 $, c'est presque 4 000 francs CFA le mois pour beaucoup d'avantages que vous pouvez bénéficier derrière. Je vais vous montrer donc pour finir celui que j'utilise, iPoster One, qui est très très bien. Il est moins cher à 9,99 $ le mois. Je paie 6 000 francs par mois ou bien 90 $ l'an, ça fait 50 000 quelque chose de ce genre, 50 000 francs CFA. C'est celui que moi j'utilise. Il y a beaucoup d'avantages dans le sens où, voilà, je peux recevoir un colis, des mails, des paquets, soit à mon nom, soit au nom de mon entreprise créée aux États-Unis. Et aussi, il y a la réexpédition dans mon pays, c'est-à-dire si vous avez peut-être des cartes bancaires qu'on dépose là-bas, ils vont vous l'acheminer ici, des paquets, ainsi de suite. C'est extrêmement intéressant. C'est celui que moi je vous recommande et que j'utilise. Vous avez dans tous les cas, tous les liens en dessous de la vidéo pour faire vos choix à votre convenance. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite de la liker, de laisser un commentaire, de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir tous mes contenus. Je vous dis à la prochaine vidéo.